vous allez courir 619 dans le quintet de samedi à Longchamp, c'est ça, hein? Oui, oui, d'accord. C'est ça. C'est malheureusement un peu la première épreuve, parce que je crois qu'il sera beaucoup mieux placé en deuxième épreuve. Donc, on a dans le quintet et ça va être dur. D'accord. Ça va être très dur parce qu'il est il n'a pas de marge de sur sa valeur avec 33. Et ça va être dur, oui. Donc pour être distance, dans les le terrain, c'est pas un problème, mais je crois que il n'a pas de marge de manœuvre sur cette valeur et avec les autres chevaux de première épreuve, ça va être dur de prendre une allocation. C'est un outsider sans plus. Mm-hmm. Oui, voilà, le terrain lourd et la longue distance, c'est pas un problème, ça. Non, le terrain lourd, c'est pas un problème. La longue distance, il tient bien. Mais je crois qu'il est un peu barré par les chevaux de classe en haut de tableau. D'accord. Parce que c'est comme ça. Il avait une repos pendant l'été. Oui. Et sa rentrée était satisfaisante. On peut même croire qu'il est au-dessus de sa valeur parce que dans cette course-là, il était aussi barré pour les trois premières places, mais il était troisième dans une course à Nancy. C'était bien, mais je crois que les autres n'ont pas fait ses valeurs. Donc, il était troisième de ces courses-là. Et ça, je crains que la forme n'est pas sûre de cette course-là. Mmh. Oui. Il ne faut pas trop tenir compte de sa dernière course, quoi, voilà. Oui, parce que normalement, il était cinquième au mois. Il a fini troisième, c'était bien, mais je crois que ce n'est pas lui qui a fait une survaleur que les autres ne font pas leur valeur exacte parce qu'il a battu des chevaux qui ont une valeur de 42, 40, quelque chose comme ça. Et oui, c'est comme ça. Il était très très bien placé au haut de ce tableau dans une deuxième épreuve, mais dans une première épreuve, ça va être très dur. Mais peut-être il a la chance de prendre une allocation, petite allocation.